Malgré l'accueil chaleureux des autorités locales, le président français n'était pas le bienvenu pour de nombreux jeunes burkinabés. Mardi matin, ils ont bruyamment manifesté à proximité de l'université de Ouagadougou et les forces de l'ordre ont dû intervenir pour dégager les accès. Ces jeunes activistes réclament la fin de tout ce qui incarne le passé colonial, y inclut le franc CFA, la monnaie locale. Nous sommes sortis nombreux ce matin pour signifier à Macron et à la France que le Burkina qu'ils ont connu dans les années 60, dans les années 80, n'est plus le même Burkina en 2014 et en 2017. Ces jeunes burkinabés restent très méfiants vis-à-vis de Paris, surtout après le départ de l'ancien président du Burkina en 2014. Blaise Compaoré avait alors été exfiltré par les services français pour faciliter la transition démocratique.